Allez, on fait le briefing d'ouverture rapidement, ça ne va pas durer longtemps. Les combattants et les combattantes qui sont retenus pour aller dans un premier temps. Alors la première échéance qui arrive, c'est celle des cadets et des juniors WACO, du 16 au 24. Et puis la première partie des championnats d'Europe seniors qui sont en octobre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, les coachs, pour faire pour être sélectionnés pour les échéances et mettre le papier. Nous, on va faire notre travail et à vous de faire le vôtre. C'est vraiment très très long. Le but du jeu, c'est de tenir jusqu'au dernier entraînement. Bonjour Jean-Luc Kitoko, nous sommes au CDFAS de Beaune. Nous venons de finir la réunion d'accueil où nous avons reçu bien sûr tous les athlètes. Nous sommes là pour une semaine d'entraînement, une semaine de préparation, d'évaluation pour les prochains championnats internationaux. Donc nous avons les championnats du monde pour les cadets et juniors qui se dérouleront à Venise. Ensuite, nous aurons en deux parties les championnats d'Europe seniors. La première partie se fera en Slovaquie, la deuxième en Slovénie. Là, les athlètes sont allés manger et se reposer, bien évidemment, afin de pouvoir démarrer le stage demain. Bonjour, Christophe de Régirois, entraîneur kickboxing. Donc aujourd'hui, nous sommes au CDFAS de Aubonne. Nous avons commencé le premier jour d'entraînement. Donc on a pris les seniors sur la piste d'athlétisme pour leur faire faire le test de Luc Léger, test qui nous permet de calculer leur VO2 max. Quant aux cadets et juniors, ils sont partis avec mes collègues sur le terrain pour faire un petit footing et quelques techniques en shadow pour les préparer à l'entraînement de cet après-midi. Thank you.
Bonjour, Christophe Lartizien, entraîneur de l'équipe de France. Donc on est aujourd'hui sur les tatamis à réviser les différents schémas tactiques et technico-tactiques du format WACO. Toute la semaine, on travaille sur des phases d'entraînement spécifiques, de l'analyse vidéo, la sensibilisation sur les différents points de la réglementation WACO. Et on finira la semaine avec les tests match pour les sélections. Bonjour, Mohamed Zari, entraîneur national FFKMDA. Voilà, ce matin, on a eu les tests match avec l'équipe de France. Donc, on a eu des juniors, des seniors en kick light, en light contact, en point fighting. La sélection a été faite ce matin, donc surtout pour les juniors. Quelques seniors qu'on a voulu voir sur le kick light également. Donc, cet après-midi, on va reprendre les tests match. Là, ils sont partis manger, se reposer un petit peu. Bonsoir, je me présente Sofiane Alouache, entraîneur de l'équipe de France. Bah écoutez, on vient de finir les combats tests pour le plein. Il y a eu quelques beaux combattants. Là, on va faire une petite réunion avec les entraîneurs pour sélectionner les futurs champions.